Les gars, voilà, c'est toujours moi le Sam Hospital et vous êtes sur la chaîne 2, Monsieur le Russo 225. Donc, je suis juste là pour continuer la bourse que j'avais déjà commencé pour le groupement de Qatar, la bourse suisse de Genève. Voilà, donc on va essayer de continuer. On était sur l'étape de l'enregistrement. Voilà, donc je vais essayer de faire ça un peu plus rapidement. Mais ce que vous devez savoir déjà, c'est que cette bourse là, c'est une bourse qui est vraiment très importante. Et cette bourse là, elle est à 95% pour la littérature, mais il y a des éléments d'économie et tout ça pour ceux qui veulent vraiment postuler. Et je suis vraiment navré, mais il y a des frais d'admission. Donc pour ceux par exemple comme ça qui veulent postuler, ça sera vraiment une bonne opportunité pour vous de le faire. Et cette bourse là, ça concerne le master, le doctorat, mais pour l'instant le doctorat est déjà fermé. Et pour ceux qui veulent des admissions en licence ou bien pour le master ou le doctorat, c'est possible, mais la bourse, je rappelle très bien que la bourse concerne uniquement que le master. Voilà, donc il y a trois événements, il y a trois dates limites. Nous avons déjà purgé deux dates limites. Donc actuellement, la date limite pour cette bourse là actuellement, c'est pour le 1er mars 2022. Alors je demande à ce que tous ceux qui veulent vraiment postuler puissent le faire, et ceux qui ne peuvent pas postuler et qui veulent de l'aide, nous sommes là et vous pouvez nous contacter inbox au numéro qui est en description. Voilà, et puis lorsque vous voyez la vidéo, pour toute chose, avant de d'abord d'écrire à demander le lien, regardez juste en dessous, en description, le lien s'y trouve. Alors donc on va pas durer, et puis voilà, on y va les gars. Sur ce qui est là, voilà, on va d'abord essayer de s'enregistrer. Et lorsqu'on finit de s'enregistrer, on va pouvoir maintenant postuler à la bourse et à l'admission. Donc ici, le nom, comme d'habitude, moi je ne prends pas de réel nom et prénom. Donc ce qui fait que parfois, si je n'obtiens pas de confirmation, je n'arrive pas à continuer en ce qui concerne les bourses. Voilà, parce que parfois on demande de mettre de vraies coordonnées. Donc ici février, je considère que je viens pour le master, alors je suis né en 2005. Donc ici je vais prendre 2005 janvier le 12. Ok, pour le test, je suis monsieur, donc je mets mon mail. C'est le seul élément qui est réel dans tout ce que je remplis. Donc je suis obligé de faire ainsi pour ne pas retrouver mes coordonnées à chaque instant sur le net. Vous comprenez? Sinon, parce qu'il y a assez de bourses que j'ai postulées. Donc je ne vais pas retrouver mes coordonnées sur le net. Donc c'est un peu ça. Ok, donc on me demande de ressaisir le mail. Ok, donc veuillez reproduire le test qui est là. Donc il y a UH grand D. Il y a un petit D, 2 S, K et C. Donc on nous demande de reproduire ce qui est là, donc on reproduit et puis on l'envoie. Voilà, donc nouveau formulaire pour une nouvelle inscription. Donc on va venir là, formulaire disponible, le nouveau, vous cliquez sur nouveau formulaire pour une nouvelle inscription. Donc voilà ce qui s'affiche. Vous voyez, tout est déjà écrit là. Et bienvenue à la candidature en ligne du programme de master et doctorat à l'Institut de vos études internationales. Voilà, ce formulaire de candidature est compatible avec la dernière version de la version Firefox. Afin d'évaluer votre candidature, nous collectons et conservons vos données à caractère personnel. Hein? Complétant ce formulaire, vous acceptez le traitement du dossier. Pour plus, ok.
Veuillez également prendre connaissance des conditions générales. Donc, étape de candidature, dans un premier temps, vous allez compléter la candidature en ligne, vous allez payer les frais, vous allez soumettre vos documents, vous allez télécharger les documents là en ligne, vous allez valider votre candidature et suivre régulièrement votre candidature en ligne pour vérifier que vos dossiers ont bien été contrôlés. Le contrôle de vos documents peut prendre 4 semaines, c'est-à-dire un mois. Voilà, donc quand vous postulez, vous attendez un mois pour pouvoir voir vos éléments à traiter. Délai de candidature, il y a ceux qui ont postulé le 15 novembre, voilà, pour le doctorat. Il y a ceux qui ont postulé, ils avaient une date limite, c'est-à-dire le 15 janvier. Et il y a maintenant ceux qui ont la date limite du 1er mars, c'est ce que nous postulons actuellement. Les décisions d'admission sont communiquées en avril 2022. Donc en avril déjà, vous postulez le 15 mars, en avril déjà, vous avez vos résultats. Voilà, donc la sélection à l'Institut de haute études internationales de développement est compétitive. Voilà, en conséquence, nous vous conseillons de préparer votre candidature et vos documents avec soin. C'est ce qui est très important. L'ensemble des documents requis doivent être téléchargés avant la date limite des candidatures. Vos lettres de référence, la lettre de référence et la lettre de recommandation doivent être téléchargées au plus tard 7 jours après la fermeture du délai de candidature. Donc, ici, la lettre de référence doit être téléchargée au plus tard 7 jours après la fermeture du délai de candidature. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas encore trouvé une personne qui va vous recommander, il vous donne l'opportunité de les télécharger, votre lettre de référence, même quand le site est fermé, mais 7 jours seulement après. Voilà, vos documents doivent être en format PDF, voilà, et maximum taille 2 mégas, lisible à l'écran, à l'endroit sur l'écran, non protégé par un mot de passe. Ça, c'est ce qui est normal. Donc ici, on va voir les liens, les documents que vous devez mettre en ligne. Je vais cliquer là et on va voir ensemble les documents qu'il faut mettre en ligne. Donc un instant que ça télécharge. Ok, donc voici les documents qu'il faut mettre en ligne. Ce sont les documents qui sont là. Donc vous avez une lettre de motivation comprenant les raisons pour lesquelles vous souhaitez étudier à l'institut. Voilà, donc 800 mots maximum en anglais ou en français. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas obligé, pour cette bourse là, vous n'êtes pas obligé de fournir un certificat d'anglais, seulement si votre faculté enseigne en anglais. Donc un CV en anglais ou en français, et relever une note officielle à chaque année d'études universitaires accompagné de l'échelle de notation de valeur. Ça, c'est relevé de notes et ici copie du diplôme, votre diplôme obtenu, certificat d'anglais le cas échéant c'est à dire si vous avez par exemple comme ça sollicité une faculté qui enseigne en anglais, alors vous devez fournir un certificat en anglais. Ok, copie de la page de données personnelles, le nom, prénom, nationalité de votre passeport, de l'aide de recommandation académique. Vous voyez, c'est ce qui est important pour eux, de l'aide de recommandation académique. Vous devez fournir le nom et l'adresse électronique professionnelle soigneusement vérifiée des deux référents. Donc n'oubliez pas, c'est très important, donner toutes les informations sur la lettre, même ou bien sur la plateforme, si on vous demande seulement que les références de la personne, l'institut, regardez ce qu'ils ont mis là, l'institut les contactera pour leur demander de soumettre leur lettre de recommandation. Vous comprenez? Donc, ça veut dire quoi? Ici, voici comment ça fonctionne. Ici, vous allez contacter vos référents. Vous allez prendre leur référence. Vous allez prendre leur nom, leur prénom et tout ça. Et vous allez l'insérer sur la plateforme. Et c'est la plateforme maintenant, l'institut maintenant va les appeler pour leur dire de leur envoyer des lettres de recommandation. Des lettres de recommandation à vous, votre gars. Vous comprenez? Et ils vont envoyer ces lettres-là. Il est préférable de soumettre des recommandations académiques. Toutefois, nous pouvons accepter les recommandations professionnelles si vous avez terminé vos études universitaires depuis longtemps. Il est de votre responsabilité de vérifier en ligne si vos référents ont bien soumis les lettres de recommandation dans les délais impartis. Vous comprenez un peu. Voilà, donc ici, une traduction certifiée en anglais est requise pour tout document rédigé
dans une autre langue autre que l'anglais et le français, l'allemand, l'italien et l'espagnol. Donc ici, par exemple, comme ça, ceux qui ont les documents en russe ou bien en arabe, vous devez forcément traduire en anglais. Mais ceux qui ont les documents en français, en allemand, en italien ou en espagnol, c'est pas la peine de traduire vos documents. Vous pouvez postuler comme ça, vous n'avez pas besoin de traduire vos documents. Voilà, donc c'est ce qui est évident. Vous voyez que vous pouvez vraiment postuler. Voilà, et copie de mémoire de master en anglais ou en français, ça c'est pour ceux qui ont déjà leur mémoire. Voilà, et copie de votre projet de thèse contenant un titre provisoire et une description dans la problématique qui sera étudiée. Votre projet doit être en anglais ou en français. Voilà, donc vous comprenez, c'est toujours en anglais ou en français. Ça veut dire que vous n'êtes pas vraiment obligé de soumettre un certificat en anglais ni en français. Ça veut dire, si vous avez étudié en anglais, alors vous soumettez en anglais. Si vous avez étudié en français, vous soumettez en français. Voilà. Donc c'est un peu ces documents-là que vous devez voir. Donc vous devez, c'est pas aussi compliqué que ça. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris bien en ce qui concerne la lettre de recommandation. C'est très important pour eux. Voilà, ils se basent sur cela pour faire des sélections. Donc vous devez vraiment avoir ces lettres-là. Donc nous, on vient et on essaie comme ça de poursuivre en cliquant sur page suivante. Voilà, donc la page suivante, ici, vous allez mettre vos données, vous allez mettre ici votre nationalité. Voilà, canton d'origine, ici, c'est pas vraiment important. Voilà, seulement pour les citoyens suisses. Donc, n'oubliez pas, c'est très important. Cette université-là, c'est une université qui est liée, c'est vrai, à l'université de Qatar, comprenez, mais c'est une université suisse. Donc, cette université, c'est une branche suisse. Alors, si vous voulez vraiment postuler, vous allez le faire tranquillement et aussi très bien. Voilà, c'est une université qui est vraiment reconnue. Donc, pour ceux qui veulent vraiment postuler, c'est vrai que vous allez postuler à cette bourse-là, mais vous ne serez pas dirigé au Qatar. Vous serez dirigé directement à Genève en Suisse. Voilà, donc si vous voulez vraiment postuler, je vous recommande vraiment cette bourse-là. N'oubliez pas, c'est une bourse qui est très très importante. Donc, mais ça fait partie au moins de la filiale de la bourse de Qatar. Comme je vous ai dit, la bourse de Qatar, ce sont des bourses qui sont renfermées en son sein. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc, une fois que vous finissez là, vous allez cliquer sur suivant. Et voilà, vous voyez, on me demande comme ça de remplir avant de pouvoir avancer. Alors, je vais m'arrêter là et puis je vais faire une vidéo, si possible, pour vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut remplir et tout ça. Donc, ceux qui veulent vraiment postuler, c'est vraiment important de nous contacter. Si vous êtes intéressé, voilà, nous allons vous aider à le faire. Vous voyez que ici, vous n'êtes pas obligé de fournir des certificats de langue. Voilà, c'est une bourse en même temps qui est au sein du groupement de bourses de Qatar et en même temps qui est aussi une université de Genève en Suisse. Ok, donc les gars, à plus et puis voilà, essayez de postuler. Une fois que vous remplissez ici, c'est-à-dire moi je mets ici par exemple pour la Côte d'Ivoire, si je mets ici Côte d'Ivoire. Je ne veux pas que la vidéo fasse assez de temps. C'est pourquoi. Parce que quand c'est comme ça, si vous mettez Côte d'Ivoire, vous mettez langue de correspondance, vous mettez français. Voilà. Et vous mettez suivant. Vous voyez, c'est ce qui vient là. Vous allez commencer à répondre. Mais je vais m'arrêter là. Et puis, je vais faire une seconde vidéo pour vous aider un peu à voir comment ça se passe. Ok. Donc, à plus les gars.